3, 2, 1. Here we go! Bonjour, bonsoir tout le monde. Encore une fois, son plaisir pour nous rentrer la carrière, pour nous porter pour Flash Sport. J'aime qui toujours passer sur page 1 qui c'est Flash TV Haïti. Flash TV Haïti, j'aime toujours dire, nous présente sur toute plateforme net, qu'il ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou encore Facebook là. Ou car toujours monter sur page YouTube nous hein, qui c'est Flash TV Haïti. Ou like, partager, puis porter des commentaires autour de chaque émission que nous gagnons. C'est extrêmement important pour nous. Le menu aujourd'hui, ça n'a pas gagné. Nous allons parler autour de situation exceptionnelle que l'équipe Chelsea a fait face. Nous connaissons que Chelsea, son club anglais, je dis qu'il est dans une situation extrêmement difficile. Côté gouvernement anglais, via deux premières ligues, pour un ensemble de sanctions contre l'équipe Chelsea, nous allons parler de ça en détail. C'est tout de suite ça, fait essentiel. Numéro nous aujourd'hui, nous allons prendre une pause, nous allons tourner. Arly la Rivière, en concert, le dimanche 17 avril sur la scène de l'Olympia à partir de 20h pour une soirée inoubliable. Retrouvez le king du compas, Arly la Rivière, avec son groupe New Look pour un show exceptionnel pour fêter les 25 ans de carrière rempli de tubes et de hits pour un spectacle inédit. Dimanche 17 avril, dès 20h, New Look et Arly la Rivière vous invitent pour ses 25 ans de carrière sur la scène de l'Olympia. Un concert signé ACP. Infoline 06 51 48 58 92. Three, two, one. Here we go! Nous retournons, je t'ai annoncé dans le titre, que situation exceptionnelle que l'équipe Chelsea a fait face. Nous connaissons que Chelsea son club anglais et qui sorti dans ville Londres. À noter que nous connaissons que ville Londres là il y a pas mal de grands clubs qui sorti là-dedans. Nous ca prend exemple de clubs tankou Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Watford ou encore Brentford ou encore équipe West Ham. Et mais à la ville Londres là club qui plus populaire là c'est équipe West Ham United là. Bon côté tout à tête parce que West Ham United si ne se fait parenthèse ça West Ham United qui connaît pas mal de grands joueurs surtout Bobby Moore qui t'a bral champion du monde en 1966 avec l'Angleterre ou encore nous ka prend papa Frank Lampard tout parce que papa Frank Lampard qui c'est et Frank Gérard Lampard t'es joué là équipe West Ham dans tout et West Ham tout on centre d'académie de formation côté formé pas mal de jeunes par exemple tant que Frank Lampard fils c'est l'enfant centre de formation ça pour sortir. Bon, nous faisons une parenthèse. Pour nous retourner à l'équipe Chelsea, hein. Chelsea sont équipe nous connaît que qui fondée, fondation équipe ça c'est en 1905 que l'y fondée, mais véritablement Chelsea va prendre essor c'est à partir de 2003. Côté milliardaire russe là, nous connaissons Roman Abramovich, t'a bra l'acheter équipe ça. Mais Roman Abramovich tout d'une part en tant que russe mais t'a gagne qui gagne nationalité portugaise ou encore nationalité israélite. Ou c'était que cela. Équipe Chelsea véritablement je ne dis en 2003 les Abramovich acheté équipe ça pas pour grande fortune mais en 2003 équipe véritablement Chelsea bral pour un essor au niveau de Big Four là, au niveau de championnat anglais là. L'en parler de Big Four là, championnat anglais à l'époque bon nous est capable dire c'est Arsenal, Liverpool, Manchester United et avec équipe Chelsea. Là. Bon pour le cas de Manchester City véritablement chez juste en quelques temps plus tard que le bral véritablement pour ça les familles alt et les familles émirati ont bral acheté club ça et oui et Chelsea bral connaît véritable projet là avec et monsieur milliardaire là Abramovich et bral connaît tout ensemble de coach par exemple de Montancourt c'est Mourinho qui a entraîné équipe ça Claudio Ranieri ou encore Carlo Ancelotti nous capable citer tout ancien entraîneur brésilien Luis Felipe Scolari. Mais équipe ça tout en 2012 Chelsea nous connaît que Tabral prend en Ligue des Champions à noter que c'est avec Antonio Di Matteo qui était assistant à l'époque qui était coach principal équipe là c'était
André Villas-Boas qui était sorti dans l'équipe FC Porto, mais qui a été surnommé Special Tour parce que c'est un entraîneur qui était véritablement une particularité très semblable à José Mourinho parce que par rapport à l'exploit qu'il a fait dans l'équipe FC Porto de l'or, il était venu dans l'équipe Chelsea. Du coup, résultat n'a pas tombé d'aplomb dans l'équipe Chelsea, il a brûlé évoquer la milieu de saison et en même saison 2012 ça. C'est Antonio Di Matteo qui t'a assuré continuité hein, et qui t'a permis à l'équipe SAC de remporter la première Ligue des Champions dans toute l'histoire en 2012 avec pas mal de joueurs. Nous te connaissons deux joueurs comme Didier Drogba qui était dans l'équipe SAC, Michael Essien ou encore Salomon Kalou, John Obi Mikel, pour citer que ceux-là seulement, John Terry tout, bon, qui fait partie de l'équipe SAC. Et vite jouer que, bon, la situation Chelsea va tomber journée aujourd'hui là, si nous connaissons que. Roman Abramovich, en tant que Russe et en tant que milliardaire tout, son monde qui est très proche de Kremlin, parce que son monde qui est très proche de Vladimir Poutine, et via nous connaît que de antécédents qui gagne la bataille, la Russie et l'Ukraine, et nous connaît l'Angleterre lui-même qui déjà positionné, pas rentrer dans la logique, yo sanctionné Vlad, yo sanctionné, bon, deux sanctions claires que l'Angleterre prend à l'encontre de Vladimir Poutine, tant que yo pas gagné aucun vol qui gagne de l'Angleterre à la Russie, idem tout la Russie à l'Angleterre. Mais Roman Abramovich tout depuis un certain temps pas jamais rentré en Angleterre. C'est-à-dire depuis une capable essayer de remonter depuis en 2018 surtout avec affaire de Sergei Skripal là. Sergei Skripal, c'est un capable c'est un ancien monde qui était dans le service anciennement russe là et un peu plus tard qui t'a vivre en Angleterre et qui t'a travailler comme agent secret etc mais qui t'a impliqué dans le poison etc bon ça t'a une cause que Vladimir t'a une cause de préférence milliardaire là Roman Abramovich t'a prend distance li par rapport à l'Angleterre plus qui t'a plus mettre aux questions de stabilité la vivre au Portugal mais pendant toute période ça Chelsea t'est venu réorganiser on l'autre conseil d'administration t'est venu dans tête équipe ça côté Roman Abramovich t'a obligé mettre Bruce Brooks qui c'est actuel président équipe ça et qui sont américains et qui sont avocats qui c'est avocat même milliardaire là Roman Abramovich t'abral vinn gen madame Marina Granovskaya tout qui vrai vinn directrice générale au sein de l'équipe Chelsea c'est un autre avocat tout son monde qui très proche de Roman Abramovich et comme directeur technique équipe là gagne ancien goalkeeper tchèque là et ancien goalkeeper emblématique équipe Chelsea tout Peter Sik qui vient comme directeur technique équipe ça via de ça que toute période problème là aussi Ukraine et bien Roman Abramovich a laissé pour une décision côté pour le mettre équipe Chelsea en vente côté le mettre équipe Chelsea en vente mais vinn gen de restrictions même côté l'Angleterre yo gelé tout équipe là yo mettre restrictions même si que Roman Abramovich ta vendre équipe là véritablement li pa gen accès après Kobla. Équipe là vient trouver une situation côté financer équipe là parce que nous connaissons Chelsea en tant que capable dire que en tant que vient véritablement en tant que entreprise chargée mon cap travail là-dedans de si nous garder joueurs gain ensemble de petits personnels dans l'équipe là tout le monde ça équipe là vient une situation extrêmement difficile et si nous garder que gain de conditions qui t'a posé là tout par exemple de situation équipe là nous connaît qui qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions qui gain pour jouer contre équipe Real Madrid là. Yo pral jouer deux situations que yo pral jouer contre équipe Real Madrid là et déjà il y a deux problèmes qui posaient. Y a regardé comment déplacement équipe là qu'a fait du côté de pour y aller du côté de Madrid mais pendant ce gain Thomas Tuchel qui s'est entraîneur équipe sans tout que qui t'ai fait on pendant qui t'ai long interview que il t'ai accordé il dit tout autant il dit lui-même yo pas dit là il a toujours venir pour venir travailler et gain cas avec tout bon côté pas qui c'est joueur jeune allemand et en des équipes ça parfois qui jouait comme yo utiliser parfois comme un falso nueve ça n'est les faux neuf là ou encore yo qu'on utiliser comme une sorte de tricatrista et qui lui-même qui dit que lui-même yo prêt yo même entrer en dans groupe là yo t'a essayé organiser aux joueurs pour mettre deux moyens ensemble pour yo ca aider équipe là à participer là quart de finale de Ligue des Champions mais tout mais on monde qui a regardé tout qui a dit que au niveau du championnat yo toujours jouait que tout le monde les Chelsea a joué toujours gain monde dans stade là et cetera mais n'a monde noter que au niveau du championnat Chelsea c'est ensemble de abonnés que yo vendent de billetterie yo par contre pour Ligue des Champions lui-même c'est à chaque fois que équipe là franchit un palier la compétition yo vendent yo mettent deux billets à disposition pour moun yo vinn acheter pour yo participer le match donc match yo gain à recevoir je crois dans Stamford Bridge contre Real Madrid c'est quasiment un match que ka fait à huis clos pas gain monde dans stade là etc. Mais
Si ne se fonti ouvertu sou kesyon de politik yo tou, yon nan kesyon ki l'Angleterre avanse, yo surtout di ki ansanm de tank ka bombade l'Ukraine yo, se ta de kompayi e prive ki Roman Abramovich a gen, ki te a kap bombade l'Ukraine yo, se ta yon nan koz de sa. Men je di an tou, nou ka pose tèt nou kesyon, eske e veritableman yo pa l'UEFA ou anko Premier League lan ou anko gouvernement anglais a tout est-ce pas véritablement aller pas aller trop fort parce que je disais toujours mon temps de ce monde a dit sport véritablement à politique mais est-ce que nous avons posé une question est-ce que le sport est véritablement à politique surtout les regarder à travers de l'histoire bon si nous retourner l'anal l'histoire même si nous regarder à partir de l'année 36 et bon la période de jeux olympiques qui était 36 en Berlin que nous connaît que qui Jean Hitler a été utilisé et compétition ça même comme outil de combat côté il était véritablement côté il était utilisé pour stratégie pour te chita idéologie là il une bagarre qui toujours et attire attention c'est en 1936 il y a un athlète américain qui t'a un sprinter américain qui c'est Jesse Owens mais que tout le monde connaît sous James Cleveland monsieur était remporté pas mal de médailles le jeu olympique 36 et du coup monsieur son noir américain et du coup les grandes médailles monsieur Hitler te déplacé li kite stade là et gen et surtout gon ba yo toujours rapporté que au niveau de stade là tout était toujours gon chanson k'ap chanté c'est et Hitler toujours ap chanté aujourd'hui c'est l'Allemagne et demain ce sera le monde si nous retourner tout bon même là même régime fasciste qui t'a dominé l'Europe avec en Italie surtout avec Benito Mussolini et yo même annoncé que entraîneur Juventus te gen dans les années 35 et Cattano c'est même gouvernement ça qui te fait forcing même sous c'est même gouvernement ça même qui te fait forcing sous et le club Juventus pour faire Cattano démissionner et pour aussi essayer prendre d'autres exemples encore et en 96 nous connaît que problème Nelson Mandela te gen avec surtout elle te met embargo sur Nigeria qui te cause que Nigeria yo pas de participer dans Coupe d'Afrique en 96 et je dis situation Chelsea vraiment difficile et pendant week-end là j'ai chance dans des directeurs techniques équipe là qui c'est Peter Cech s'est même posé deux questionnements que équipe Chelsea avec Roman Abramovich c'est des moments de gloire c'est deux Ligue des Champions et dernier Ligue des Champions en date là c'est Thomas Tuchel c'est entraîneur allemand qui était Bayern côté au champion sous équipe Manchester City hein. Et gain l'autre restriction sous équipe Chelsea en tout côté et Chelsea pas qu'à ni acheter c'est-à-dire qu'un ensemble de joueurs dans l'équipe là tout qui en fait contrat par exemple de joueurs tant ou Antonio Rudiger qui en fait contrat mais déjà Antonio Rudiger qui est en bail à Valia équipe et Juventus de Turin hein. Ou encore César Azpilicueta qui c'est capitaine équipe ça depuis 2018 qui capitaine équipe ça et qui en fait contrat tout et c'est mais noter que équipe Chelsea en tout c'est une équipe qui a plus joueurs sous contrat là ne parle de plus joueurs sous contrat c'est-à-dire de joueurs yo prêté mais qui toujours équipe Chelsea hein, qui toujours sous contrat avec équipe Chelsea hein. Et c'est je dis hein, c'est une situation vraiment exceptionnelle pour un club capable de si grand mythique ou pas oui mythique un club mythique tant que Chelsea parce que situation vraiment exceptionnelle et gain de joueurs tout dans l'équipe là qui peut-être qui pas bon joueur tant que Romelu Lukaku c'est un joueur que yo acheté Chelsea acheté pour 115 millions d'euros mais je dis un statut monsieur dans l'équipe là c'est réserviste véritablement rendement parce que regardez saison Lukaku t'ai fait en Italie côté il était meilleur buteur et c'est un monde qui était véritablement qui était pour planer même sous équipe Inter de Milan qui menait équipe ça champion côté il fait duo lui même avec Lautaro Martinez et il était fini l'en top meilleur pas surtout mais révélant équipe Chelsea je disais problème d'adaptation il pas qu'à adapter et vienne obligé que Thomas Tuchel mette le sous banc et qui vienne faire que je disais peu importe Chelsea parfois ouais Chelsea l'ont peut-être l'ont 3-4-2-1 mais parfois moun qui fait 1 c'est un monde peut-être utilisé comme faux neuf ou encore Timo Werner véritablement qui pas l'entop forme ni par rapport à jouer nous te connait dans équipe RB Leipzig là et je dis hein et situation compliquée pour Chelsea Roman Abramovich qui gè quelque temps il pas en Angleterre et
ou encore c'est je dis c'est Bruce Brooks qui c'est président équipe là c'est l'autre conseil d'administration qui est dans tête équipe Chelsea. Et Chelsea je dis qui connu pas mal de entraîneurs de nous connaît quand tu étais passé dans équipe ça tout quand tu étais bas en championnat c'est avec aussi Mourinho tout bon qui bas yo prend deux championnats avec Mourinho et pour citer que cela seulement etc. C'est ton plaisir pour nous porter un numéro ça pour vous. J'aime toujours dire, c'est Flash Sport. L'a toujours passé sous Flash TV Haïti. J'aime toujours dire, nous présents sur toute plateforme net, plus précisément sur channel YouTube nous. Vous pouvez toujours commenter, like, partager, commenter, parce que commentaire est vraiment important pour nous. C'est vous qui permettez nous avancer. Prochain numéro, n'a porté plus de détails pour vous. À bientôt. Three, two, one.